Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc je voulais vous présenter les premières créations que j'ai faites avec les nouveaux dies que j'ai reçus de Casecraft. Donc du coup, j'ai testé en premier la boîte à Memory Dex. Donc il y avait ces parties-là. Donc là, la Memory Dex. Les morceaux pour faire la vitre et ça c'est les morceaux sur les côtés. Alors la première c'est celle-ci. Donc ça c'est la collection de Rosie Studio You Make My Day. Donc j'ai mis les die cut et chipboard de la collection. J'ai fait des petites fleurs. Là, des découpes. J'ai fait de la couture tout autour. Là, le petit encadré que j'ai fait en papier gold. Du coup, ça, c'est pour faire la fenêtre. Ça, c'est l'acétate. Et là, des énamel dots maison. En cire. Donc moi j'ai refait une autre couche de papier. Vous voyez le contour, c'est comme ça. Et du coup elle mesure combien la boîte? Franchement, bah la taille du, ouais, un peu plus grande qu'une Memory Dex, mais elle a une bonne taille. Elle fait alors 11, 11,8. Par 2,5. Et du coup, quand on ouvre, tadam. Alors déjà, vous voyez comment c'est. Donc là, il y a un rebord sur celle-là de cette taille-là qui se replie. C'est pour ça du coup que là, c'est décoré en fait. Donc c'est comme ça. Après, on peut l'utiliser pour autre chose, hein. Pas obligé de mettre une Memory Dex. Hein. Alors, la Memory Dex, je l'ai cousue tout autour. J'ai fait une bande de papier plié. J'ai rajouté une petite banderole de petits cœurs en tissu. Là. Donc là, c'est une rosette. Donc là, des découpes de feuillage. Ça, il me semble que c'est marine. Là, j'ai mis un petit charme. Là, il y a un petit bonnet avec son pompon. Le petit mot avec du fil. Là, j'ai découpé. Et j'ai rajouté un peu de gel pailleté sur le pull. Donc voilà. Pour la première boîte. Bon bah n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. Je la trouve chou ma Memory Dex. Comme ça. Et je pense qu'au fond, moi je rajouterais du. Vous savez, le papier, le raffia au fond. Je pense que c'est ce que je ferais. Alors, la deuxième, rien à voir. Tadam! Je suis partie sur Halloween. Alors là, c'est la collection Chocolate de Mintopia. Donc là, j'ai mis du tulle plissé avec un ruban. Comme ça. Bon, après, je ne sais pas vraiment si ça se voit. Hein. Bon. J'ai voulu tester. J'ai fait une découpe dans du papier acétate de la collection. Une découpe boue. Vous voyez, il y a un peu de noir en fait. C'est, je sais plus, c'était des chauves-souris ou des étoiles. Mais bon, du coup, on voit pas d'être de près. Moi, je vois là, mais bon, vu que c'est transparent, bon, c'était pour tester. Donc là, die cut, boue, petite fleur. Là, j'ai mis une anecdote.
La fille, elle est jolie, hein? J'ai mis des énamel dots sur le rond des fleurs. Là, les petites dailles chouchou de Galou Scrap. Cachet de cire que j'ai acheté dernièrement. J'adore. Et la couleur, nickel. Ma petite araignée. Et là, j'ai mis une toile. Bon, là, on verra pas. Est-ce que si je cache, on verra? Non, on verra pas. C'est fluorescent. Et donc là, la base, c'est noir. Et là, j'ai remis un papier. Et là, pour la petite bordure, c'est le papier, un papier que j'avais acheté. Là, je vous ai montré dans une vidéo haul. Craftelier, c'est le papier noir lisse. En fait, bon, moi, je vois la différence avec celui-là. Ça brille. Et du coup, hein, couture tout autour. Ouais, vous me direz ce que vous en pensez de la déco. C'est rare que je fasse un truc. Ouais, comme ça, c'est pour changer. Généralement, ce serait plus là et vers le bas. Un peu comme ça. Et là, je me suis dit vers le haut pour changer. Et du coup, quand on ouvre. Tada. Alors en fait, celle-ci, c'est une mémoriette que j'avais déjà faite. Qui est de la même collection. Et du coup, ben voilà. Il lui fallait sa petite boîte, elle aussi. Et je pense. Ben, je vous l'ai déjà montré en vidéo. Donc, je vous la remonte pour celles qui n'ont pas vu. Donc ça, c'est pas la Memory Dex de Casecraft. C'en est une autre. J'avais fait un checker tombe. J'adore. Avec sa petite chaîne. Les petites fleurs. Petite araignée. Et là, la toile d'araignée aussi. Là, il y a le mot bou en pailleté. Le petit fantôme trop chou. Ça, normalement, ça bouge, un petit tag. Donc voilà, il lui fallait elle aussi sa petite boîte. Bon, elle par contre, elle rentre pile ou poil, hein. Bon, je vous mettrai le lien en barre d'infos de ce dies. Du coup, ça monte. J'adore les petites boîtes. Bon, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein. Si vous avez une petite préférence entre Halloween et version, je vais dire, pastel, mais bon, même ça, c'est pastel, hein. Version été. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo, hein. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner, ça me fera plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!